Yo tout le monde, c'est Darky. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo gaming sur Clash of Clans. Donc deux trois choses à parler. Donc d'abord on va laisser les petites troupes se former parce qu'on va se faire une petite attaque juste après. Donc voilà. Donc j'ai déjà dit c'est YouTube pour ceux qui se demandent. La vidéo je l'ai lancée il y a pas longtemps. Donc voilà. Donc la première chose que je voulais parler c'est, désolé pour moi si elle est un peu bizarre, les anti-aériens 3. Donc il y a non je veux dire des nouveaux anti-aériens. Un nouveau pour l'HDV7 et un nouveau pour l'HDV6. Donc ça, je trouve que c'est vraiment abusé. Qu'il faudrait bien le retirer parce que maintenant full dragon c'est 10 fois plus dur. L'HDV6 je faisais des full ballons je me rappelle avec un dragon. Maintenant avec deux anti-aériens c'est vraiment trop abusé parce que mon dragon il se fait niquer en quelques secondes. Donc voilà, c'est vraiment une erreur je trouve d'avoir mis l'anti-aérien, même si pour ma défense personnellement je m'en plains pas. Mais bon, pour l'attaque, ça va être chaud, quoi. Donc, à mon avis, je vais attaquer terrestre maintenant, genre full cochon. Quelque chose comme ça, quoi. Ils ont fait marche arrière, donc avec la trésorerie pour le château de clan. Donc, ça, c'est fun. Ils ont compris que il fallait faire marche arrière, que c'était pas possible de gagner un butin de clan et puis de se faire tout piller juste après. Donc, ça, c'est chouette. C'est vraiment chouette, ça. Ouais, donc maintenant je suppose que les gobelins peuvent plus détruire le truc. Les charrettes aussi, ça c'est vraiment cool. Donc, avis mitigé sur la mage. J'en ai pas ici, mais ça permet de récupérer un peu de butin si vous avez lu la mise à jour quoi. Attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Normalement, il y a des nouveautés encore. Ah oui, ceci. Là, ça c'est vraiment pas mal. Regardez, on peut gagner par exemple, moi je suis HDV7, je peux gagner 120 000. Je crois que c'est avec la ligue, hein. Donc 120 000, c'est pas mal. Ça m'aidera vraiment à me renforcer. D'ailleurs, ça, on va pas l'améliorer maintenant parce qu'on peut pas. Ça, le répulseur d'air, franchement, c'est juste pour l'améliorer, pour dire que je l'ai quoi. Ouais, j'ai mis ça il y a pas longtemps, donc. Je pense qu'on va pouvoir se faire une petite attaque maintenant. Donc je gemme illimité, enfin je gemme pas limité, illimité. Je gemme juste parce que j'ai des gemmes. Ici j'ai 183 gemmes comme vous voyez, donc je gemme à mon aise pour l'instant. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'arrête Clash, donc c'est officiel. Hein. Je n'y jouais plus d'ailleurs depuis quelques temps, et maintenant j'arrête carrément quoi. Donc voilà, ça fait un an qu'on est là, donc j'arrête carrément. Donc je remercie encore mes adjoints qui ont été parfait, donc d'ailleurs je vais les remercier maintenant. Merci à Dark Ever, merci à Praline, merci à Auxence qui n'est plus dans le clan. Je crois que j'avais d'autres adjoints aussi. Merci à Pi qui n'est plus dans le clan depuis pas mal de temps. Merci à Jean même s'il a fait 2-3 trahisons. Merci à DJ Tony parce que voilà je le connais et tout. Merci à tous les autres hein, qui sont là depuis un an. Donc merci à Arways, oui je n'oublie pas lui. Et voilà, merci à mes adjoints qui ont été hyper fidèles au clan. Et je comprends qu'ils partent parce qu'il y a de l'inactivité. Donc voilà, merci à Master Konings aussi qui a bien géré le clan. Et merci à Gige qui n'attaquait pas en GDC. Même si voilà, je lui fais une petite dédicace. Donc voilà, je ferai encore des vidéos dessus, sûrement d'ailleurs. Mais je ne me connecte plus que rarement à mon compte. Donc à mon avis. Je vais peut-être bientôt supprimer Clash. Donc voilà. Mais je continuerai peut-être à faire des vidéos dessus si vous y tenez vraiment. Donc il suffit de me le dire dans les commentaires. Si vous tenez vraiment à ce que je continue Clash, ben je continuerai, mais voilà. Je reste juste chef du clan parce que voilà, peut-être que si un jour quelqu'un a envie de le réactiver, enfin si j'ai envie de le réactiver moi-même, ou qu'un de mes amis proches a envie de le réactiver, ben je lui passerai le clan. Mais pour l'instant, je le garde sous mon contrôle jusqu'à voilà. Donc on va essayer de gagner une étoile ici pour avoir un petit butin de trophée. Donc voilà. Allez, là on est plutôt bien parti, 40%. Donc normalement ça devrait être easy. Easy, la tour d'archer, elle s'en fout là. Donc 42%, peut-être pas si easy que ça. Il n'y a pas les coins, dommage. 35 archers, allez on peut le gérer. On va voir combien de pourcents ça nous fait. Le 44, donc 2% le bâtiment. D'accord, on va essayer celui-là. 2% le bâtiment, 2% le bâtiment. Donc là, ça ferait 46 normalement. Allez, ça va, ça se calcule au pourcent près, je sais.
Ok, donc là 46%. Où est-ce qu'on attaque maintenant? Je suis mitigé. Combien? Ah, ben là. On va attaquer là. Ok, 50% et voilà. Donc, ça se calcule au millimètre avec moi. Donc voilà, 80%, donc c'est pas mal. Voilà, on va peut-être pas dire c'est YouTube. C'est YouTube, voilà. Et c'est parfait. Ben, je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus, les gens. Une petite attaque, quelques petites explications sur la marge. Et voilà, on va dire des petits remerciements à certaines personnes. Voilà, merci à tous les autres. Quand je regarde, merci vraiment à tous les autres qui ont pas arrêté de nous suivre. Ceux qui sont partis aussi, merci à eux. Voilà, petite dédicace aux anciens adjoints d'Arkéville aussi. Si on sait jamais, ils regardent la vidéo. Hashtag feu noir, hein, si vous me reconnaissez. Voilà, dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Darky, donc à plus. Abonnez-vous, laissez un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et bye Atsuko, bye guerrier, bye. Destroyer 1, Destroyer 2. Voilà, je crois qu'il se reconnaîtra. Donc, dans tous les cas, à plus les gens. C'était Darky.